Eh bien, salut à tous les amis, c'est Raigo. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions qui ont été posées dans le Discord et ainsi que dans les vidéos YouTube. J'essaye de répondre à un maximum de vos questions. Juste pour les questions de ma vidéo la plus connue pour le tuto Please Donate, j'y réponds en dessous de vos commentaires, donc regardez bien les réponses que je dis. Donc, si vous voulez poser vos questions dans le Discord, voici le serveur Discord. Ci-dessous. La première question, c'est pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube? Tout simplement, j'ai créé ma chaîne YouTube pour pouvoir partager mes vidéos. J'avais envie d'être, genre, pas d'être comme les grands YouTubeurs, mais de voir ce que ça fait, d'avoir une communauté, de jouer avec les gens, de publier des vidéos, des tutos. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment bien. Je fais ça surtout, enfin, je faisais ça surtout pour le fun et pas que pour l'argent. Pour la plupart des youtubeurs, quand même, il y a quelques youtubeurs qui font ça pour l'argent, et moi je fais ça que, enfin, presque que pour le fun. Bref, la prochaine Quand question. tu seras adulte, tu continueras à jouer Roblox et youtubeur. Jouer Roblox quand je serai adulte ne sera pas obligé, je pourrais changer de contenu, mais je pense que je serai toujours youtubeur quand je serai adulte. Passons à la prochaine question. Qui t'a donné envie d'être youtubeur? Alors tout simplement, j'étais assez jeune quand j'ai commencé YouTube, j'avais 11 ans et la personne qui m'a donné envie d'être youtubeur, c'est FurJumper. Pourquoi FurJumper? Tout simplement parce que à cet âge-là, je regardais FurJumper et je trouvais que son contenu était bien et que j'avais envie de faire ça et je me suis donné à être youtubeur. Passons à la troisième question. Il va faire des vidéos plus souvent. Comme il y a écrit dans ma description, il y a tout simplement écrit que je fais des vidéos presque tous les samedis. Oui, donc ça veut dire que je ferai des vidéos sûrement bah, obligées, comme je l'ai écrit dans la description, plus souvent. Désolé pour mon inactivité que vous pouvez voir sur cette image, que mes vidéos sont vraiment. Enfin, elles étaient décalées de 1 mois, 2 mois, jusqu'à 4 mois. C'était tout simplement parce que à cet âge-là, j'étais encore en 5e, enfin, je crois. Et il y avait du travail à faire. Et voilà. Passons à la prochaine question. Pourquoi t'as commencé à YouTube et faire du Roblox contenu? Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai commencé à faire YouTube en début de vidéo et pourquoi en contenu je fais du Roblox tout simplement parce que en primaire j'ai commencé à découvrir Roblox et que j'ai beaucoup aimé ce jeu, surtout bah, les jeux. Les tonnes de jeux que nous avons disponibles dans la plateforme Roblox et que le jeu commence vraiment beaucoup à s'améliorer, je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des vidéos. Et bah à faire des tutos et voilà. Passons à la prochaine question. Est-ce que tu vas faire du Minecraft? Alors je suis vraiment désolée de te l'apprendre à 15 ans, mais je n'aime pas Minecraft. Mais après ça dépend si plus tard je vais aimer Minecraft. Mais pour l'instant la réponse est non. Mais la réponse n'est pas définitive. Question suivante. Quand tu nous révèles ta tête? Alors cette question-là, j'ai lu pas mal de fois dans Discord, dans YouTube. Bah en fait, avec tous mes abonnés, ils m'ont pas mal posé cette question. Cette, bah, la face reveal, et je la ferai à un nombre d'abonnés que j'aurai, exemple 10 000 ou 100 000, mais je ne sais pas exactement. Et dis-moi dans les commentaires ou dans les réseaux que j'ai pour savoir à quel nombre d'abonnés je ferai ma face reveal. Merci d'avoir posé la question. Et nous passons à la question suivante. Tu vas faire une révèle de ton chat, si oui, quand? Alors, bien, oui, je vais faire une révèle de mon chat un jour, mais quand, je ne sais pas exactement, je dirais 5 000 abonnés, je la fais. En vrai, une révèle de chat, c'est juste un chat, genre, c'est pas ma face révèle, mais je pense vraiment aux 5 000 abonnés, je ferai une révèle de mon chat. Et pour ceux qui savaient pas que j'avais un chat, oui, j'ai un chat. Et si vous voulez savoir comment il s'appelle, je vous le dis aux 3 000 abonnés. Bah tant bien, je suis aux 2740, je crois là. Donc abonnez vite et je vous dirai le nom de mon chat. Et le reveal de mon chat bientôt. Et la face reveal, je pense que ça sera Vertica, mais je suis pas sûr. Aidez-moi les gens. Question suivante. Depuis combien de temps un compte TikTok? Alors pour ceux qui savent pas, oui, j'ai un compte TikTok, je vous le mets dans la description, mais je crois que je suis au point de me faire ban. Aidez-moi les gens. Bref, alors je crois que c'est en 2021 que j'ai eu mon compte TikTok, mais je suis pas sûr 100%. Et j'avais commencé à faire des petites vidéos comme ça, mais après
comme un con, j'avais une vidéo à 60 000 abonnés, 60 000 vues, pardon, et je l'ai supprimée, mais voilà, je crois que c'est vers 2021, mais je connais pas la date exacte. Question suivante, et je crois qu'on est bientôt vers la fin des questions. Je ferai des tutos comment coder. Alors, tout simplement, je vais répondre dans 2 secondes à cette question. Je sais pas coder. Moi, dans Roblox Studio, je sais build. Je suis là pour le build. Je ferai des tutos, évidemment, pour build bientôt. Mais si tu veux apprendre à coder, je te mets la chaîne de Azerty dans la description tout de suite. N'hésite pas à aller la voir et il fera sûrement des tutos comment coder, comme je lui apporte de l'aide. Question suivante. À quel âge? Tout simplement, j'ai 13 ans. Voilà, je suis en quatrième. Juste, il y en a, ils disent le 13, c'est le nombre de la chance. Et il y en a, ils disent le nombre 13, c'est le nombre qui porte malheur. Dites-moi en commentaire, vous pensez si c'est le nombre qui porte le bonheur, le nombre qui porte malheur, ou le vous savez rien et vous n'avez pas d'avis. Question suivante. Et quel est ton objectif? Désolé si on peut pas avoir ton pseudo, c'est parce que tu as posé une question aussi avant. Bref, alors mon objectif tout simplement dans YouTube, c'est tout simplement de faire du tuto, avoir une communauté, jouer avec vous, vous renseigner, faire des vidéos sur des nouveaux jeux. Par exemple, si il y a une alerte sur Roblox, par exemple, il est down. Je vous explique pourquoi il est down. D'ailleurs, la vidéo qui est sortie samedi la dernière fois, vous savez maintenant pourquoi Roblox sera peut-être down tous les samedis. Voilà mon objectif, c'est de apprendre, jouer avec vous. Je sais pas comment dire, genre. Genre, je suis là pour le fun, moi, pour être avec vous. Chercher une communauté, chercher des gens pour jouer et tout. Genre, je suis pas là pour. Ouais, vas-y, je fais ça, j'ai de l'argent et tout. En gros, je fais ça pour le fun. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos où je réponds à vos commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos où je réponds à vos commentaires. Du coup, posez des questions dans l'espace commentaire qui est juste en bas. Et sinon, bah, nouvelle vidéo bientôt. Ciao les potes, abonne-toi. Et comme ça, t'auras un cookie.